parlons maintenant de ce drame familial qui s'est produit hier matin à Noyon dans l'Oise, en France hexagonale. Un policier d'origine guadeloupéenne aurait tué sa femme et deux de ses enfants avant de se donner la mort. Le mobile du triple homicide, une séparation mal vécue. Le détail avec Éric Dupuis d'ATV Paris. Le corps du monsieur, il était là, juste là. La dame, elle était là juste devant. Bruno est l'un des rares témoins sur place au moment des faits. C'est lui qui a secouru la fillette de 5 ans, seule survivante de la tuerie. J'ai entendu plusieurs coups de feu, j'ai entendu hurler, donc j'ai accéléré le pas. Et puis quand je suis arrivé là, j'ai vu une petite gamine qui hurlait, qui avait peur et tout. Donc j'ai mis la petite fille en sécurité. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je suis un citoyen normal. Au lendemain de ce triple assassinat, les usagers de la gare ont repris le cours de leur vie. Sur les lieux, les bâches et cordons de sécurité ont disparu. Seul un bouquet de fleurs déposé par ses amis du couple. Moi, tous les jours, je le croisais. C'était appel de phare, le petit signe. Il nous reconnaissait. On était dans Guiscard. Il venait, on se disait bonjour. Mon mari qui parle créole, il parlait créole avec eux. Mais je vous dis, des gens vraiment sans histoire, c'est pas possible. Même encore maintenant, pour moi, c'est pas possible. Pas eux. À 10 km de là, à Guiscard, la ville de résidence du couple, l'incompréhension persiste. Franchement, enfin, je sais pas ce qui a pu se passer. C'est vraiment un drame, quoi. C'est dur. C'est dur pour les enfants, quoi. Puis la petite qui a vu, la petite qui reste, puis qui a vu la scène. Mon papa en train de faire ça, c'était pas un homme violent du tout, hein. Il faisait toujours son cross, il passait devant chez moi, il courait. Ce lundi matin, la procureure de la République a confirmé l'usage de l'arme de service du policier. Une cellule d'écoute a été mise en place dans les écoles où deux des enfants sont inscrits.